votre famille, c'est comment? C'est toujours irritant votre homme serviteur. Voilà, il conseil va trop chauffer. Le conseil d'Ibawana va trop chauffer. À fait où on a commencé à faire sport, mise en forme là, ça va trop chauffer. Voilà, suivez la vidéo intégralement. Juste à la fin, je vous mets la séance de musculature, la séance de mise en forme de l'artiste Ibawana pour son conseil du 24 mars. Dans cette vidéo aussi, on parle de Venom. Voilà, Venom qui a été sacré meilleur artiste coupé décalé au premier 2020. On en parle parce que je vois des gens beaucoup parler. Moi aussi, j'ai mon avis à donner, vous savez. Et je sais que beaucoup parmi vous veulent entendre ma position par rapport au prix qu'a gagné Venom. Voilà, donc veuillez vous installer. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous massivement. Si vous êtes d'accord avec mes opinions, avec mes positions, commentez et partagez aussi. Partagez massivement. Voilà, c'est juste ça la récompense. Après ça, rien d'autre. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Voilà, bon retour, chers abonnés. Avant qu'on parle d'Ibawana et de son gros concert ce 24 octobre 2020 au stade 26 mars de Bamako, j'aimerais me prononcer rapidement, je dis bien rapidement, sur le cas Venom, parce que franchement, l'affaire de Venom là, je ne peux pas laisser. Si je ne parle pas, je sais que je vais avoir des boutons sur le corps. Venom a été élu meilleur artiste coupé décalé 2020. Moi, en tout cas, pour être franc et honnête, je n'étais pas pour ce choix. Pas parce que Venom n'est pas un grand artiste coupé décalé ou même parce que Venom ne sait pas chanter. Mais pour son style de musique, pour son style de coupé décalé et pour ses prestations, et pour son travail 2019 et 2020, pour ma part, hein, pour ma part, je ne pense pas que c'est lui qui devait être le meilleur artiste coupé décalé. Ça, c'est mon avis. Mais je suis d'accord. Et je respecte le choix des Plumudes. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous expliquer pourquoi, moi, l'artiste que je voyais, honnêtement, ça devait être Mix ou Beno. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup chanté, ils ont beaucoup sorti de morceaux, beaucoup de featuring. Et ils sont un peu restés dans le style coupé décalé. Or, Venom, c'est plus du gospel décalé. Mais je suis en train de préciser que c'est pas que. C'est pas parce que Venom n'est pas un super talentueux artiste, non. Mais moi, je ne le voyais pas en tant que Plumudes coupé décalé. Je précise bien, coupé décalé. Voilà. Parce que même Ariel Chiné a sorti beaucoup de morceaux dans le style coupé décalé, même s'il n'était pas trop actif à cause du coronavirus. Mais pourquoi je ne m'en plains pas? C'est parce que les Plumudes ont des règles. Hormis le talent, hormis la productivité, les Plumudes disent qu'il faut faire voter vos fans. Si cette année, les fans de Venom se sont déterminés à voter massivement pour leur artiste, quoi de plus normal qui gagne ce trophée? C'est ça en fait le vrai problème dans cette histoire des Plumudes. Les gens parlent, tout en ignorant qu'il y a des règles dans cette récompense de prix là. J'arrive pas à comprendre. Normalement, on ne doit pas être choqué, on ne doit pas être surpris lorsqu'il y a un lauréat. Parce qu'on a déjà établi toutes les règles. On vous a déjà dit comment les choses fonctionnaient. Mais je vois des gens parler, pourquoi ils ont donné à Venom. Mais les fans de Venom ont voté massivement. Et les membres du jury, même si leur vote compte pour 40%, ah, mais si au niveau du site web, Venom a gagné, au niveau des SMS, Venom a gagné, même si les membres du jury ne veulent pas donner des points, ils sont obligés de donner quelques points à Venom. Associé aux deux autres critères, Venom gagne le meilleur artiste, le titre du meilleur artiste coupé décalé au premier 2020. Sinon, moi perso, je ne le voyais pas, hein, honnêtement. En tant que meilleur artiste coupé décalé, je ne le voyais pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je me prononce. Au moins, il faut connaître ma position sur le sujet. Mais je respecte la décision qui a été donnée, qui a été dite. Vous n'avez pas voté, donc vous vous taisez. L'année prochaine, votez. L'année prochaine, votez. Parce que si vous ne votez pas, ça sera toujours la même chose. Voilà. Et ce n'est pas à cause de vous. Une organisation va changer ses critères. Je vous ai expliqué ça en long et en large hier. Ne vous cachez pas derrière des arguments qui ne tiennent pas.
tous les artistes sont talentueux à leur manière. Ne pensez pas qu'il y a un artiste qui est plus fort qu'un autre artiste. Parce que si on veut regarder seulement le talent, pour donner des titres, il y a des artistes qui vont toujours gagner. Parce qu'il y a beaucoup qui vont estimer que ce sont les plus forts. Mais en plus du talent, en plus de la productivité musicale, là, on dit qu'il faut voter. C'est tout le discours qui est là. Pour ceux qui ne veulent plus être, qui veulent plus participer au premier les années prochaines, vous êtes libre, c'est votre droit. Mais ne discréditez pas cette récompense de prix-là et puis ne rabaissez pas les organisateurs de ces premiers-là. Et pour finir, sachez encourager l'initiative du Molard et de tous ceux qui sont derrière cet événement-là pour promouvoir la culture ivoirienne, africaine et les artistes. C'est très important. C'est très, très, très important. Bref, on parle maintenant d'Iba One. Cher Gladia, rendez-vous le 18 octobre. Sortie du double album Mon Empire de l'artiste Iba One. Un Gladia, un CD. Je ne serai pas long parce que je vais juste vous montrer la séance de muscu de l'artiste Iba One. Voilà, c'est pour vous dire que ce 24-là, du côté du stade du 26 mars, ça va chauffer. Ça va déménager. Parce que l'artiste Iba One déborde d'énergie. Il est très, très, très impatient de vous faire plaisir à cette date-là. Donc franchement, j'espère que les tickets sont déjà finis. Hein. J'espère que les tickets sont déjà finis. Parce que ce spectacle, il sera haut en couleur. Il sera balèze de ce balèze. Bon visionnage et regardez l'empereur Kwaku Musa en pleine gymnastique. Voilà. Ciao, ciao. Bon visionnage. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.